Je m'appelle Mehdi Emili, je suis réalisateur du film tunisien sélectionné à la Fabrique cette année, Fouled, qui est un long métrage documentaire. C'est un film très personnel, c'est un film que je développe depuis 3 ans. Le film raconte l'histoire de 4 ouvriers de l'usine El Fouled de Mazel Bourguiba. C'est une steel factory, c'est une usine d'acier. Et ces 4 ouvriers ont été témoins de la mort de leur camarade après l'explosion d'un four à l'usine. Un psychologue suit ces 4 ouvriers traumatisés par cet accident, et à travers ces sessions de psychanalyse on découvre mieux l'intimité de ces 4 hommes cassés par la vie. Et aussi il faut dire que le film se passe entièrement à l'intérieur de l'usine. C'est une sorte de métaphore sur cette Tunisie contemporaine avec toutes ces contradictions, avec toute la violence de cette société. Voilà, c'est une approche cinématographique de ce monde là de la de la fusion. C'est un film sur la transmission des valeurs de dignité, du travail, du sacrifice d'une génération à une autre. Et voilà, c'est le film, et je laisserai peut-être Moufida parler plus de la production, mais c'est une coproduction entre la Tunisie, l'Allemagne, la Norvège et la France. Voilà. Oui, bonjour, Moufida Fidila, je suis la productrice du film Fouled. Le film il a été sélectionné et développé dans plusieurs workshops. Il y a Sud Écriture et Produire au Sud. À l'occasion de Produire au Sud, il a reçu le prix de développement du CNCI tunisien, et c'était aussi pendant FIDADOC au Maroc. Il a aussi reçu un autre prix à Algona Film Festival, donc le prix du développement. Donc Mehdi, il a beaucoup travaillé sur le film, donc on a développé, comme il l'a dit, pendant 3 ans. Là, en ce moment, le film il a reçu des aides à la production. Entre autres, donc le fonds du CNCI tunisien, c'est un fonds national. On vient d'avoir le Doha Film Institute et Al Jazeera The Commentary, elle coproduit le film. Actuellement, nous sommes bien avancés par rapport à la coproduction, donc avec la France et l'Allemagne et la Norvège, et nous sommes à la recherche de vendeurs et de distributeurs. Voilà, je pense que c'est en gros ça, j'ai rien oublié, je pense que c'est ça. Il y a aussi ce qui est intéressant, c'est aussi l'approche cinématographique de ce film. C'est pas vraiment un film seulement social et politique sur des ouvriers, mais c'est aussi un film philosophique aussi, parce que le lien qui lie les 4 personnes du film est la mort de leur camarade, et du coup ils commencent à se poser des questions sur la vie, sur le sens de leur sacrifice aussi au fil des années. Du coup voilà, c'est plus un film vraiment qui se veut un film de cinéma pour une sortie en salle, pour les festivals, et voilà, je pense que tout le travail effectué en amont à travers le développement, maintenant on attaque la phase du tournage, et on a commencé effectivement à tourner, on a déjà tourné un teaser du film. Voilà, c'est ça un peu le voyage de Fouled. C'est quand même une immersion totale dans le monde du travail à travers un regard très tendre et poétique. Voilà, c'est un film politique et poétique à la fois, si je peux dire.